Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage qui sera un tirage sentimental assez rapide. Donc on y va tout de suite avec les énergies pour mes amours s'il vous plaît. Quelles sont les énergies actuelles avec votre autre? Quelles sont les énergies actuelles avec votre autre? Ok, on a des personnes qui ont peut-être eu le cœur brisé ou qui ont eu... voilà, des situations un peu difficiles, mais on vous dit que vous allez vers une évolution. Une évolution soit de la relation, soit une évolution de ce cœur brisé, c'est derrière vous. En tout cas, vraiment, on avance. On a des personnes, des signes d'eau, peut-être des signes du cancer, poisson, scorpion. Ah, on nous parle de moments de partage qui viennent à vous. Ok, ou peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans des moments de partage, voilà. On vous invite à prendre un risque, hein, à vraiment sauter vers votre autre, en fait, ou dans cette relation, ou vers cette évolution, vers ces moments de partage. Aussi, peut-être qu'il y a des personnes qui souhaitent emménager avec leur autre, c'est possible, vous me direz en commentaire. Des énergies aussi, signe du lion, capricorne, j'ai coupé et j'ai eu des signes. Ok. On y va, on continue. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous avec votre autre? Qu'est-ce qui vient à vous, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies? Le 10 de coupe. Ok, 10 de coupe, le jugement. Qu'est-ce qui vient à vous avec votre autre, s'il vous plaît. Attendez, on va faire comme ceci. Qu'est-ce qui vient à vous avec votre autre? Qu'est-ce qui vient à vous avec votre autre? Est-ce que vous voyez? On va remonter, clac. Est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qui vient à vous? Ok. Bon, très clairement, déjà, en dos de deck, là, dans la situation, ce qu'on me dit, c'est que vous vous sentiez peut-être en manque d'amour, en manque de quelque chose, peut-être que vous aviez peur, parce que là, ça me ramène à la prise de risque, peur de prendre un risque avec votre autre, peur de manquer d'amour, ou que vous étiez placé dans un manque, d'accord, dans un manque d'amour. Ce qu'on vous dit, c'est que vous quittez une situation, cette situation lourde, cette situation pesante, cette situation... qui vous a peut-être même brisé le cœur pour certaines personnes. J'ai des personnes qui peut-être dormaient mal, qui se sentaient mal d'un point de vue amoureux. On vous dit que vous allez vers ce renouveau. On enclenche un nouveau cycle, en fait, au niveau amoureux. Je l'ai beaucoup dans les énergies en ce moment. Vraiment. On vous dit que vous avez tout, en fait, pour manifester vos souhaits dans votre vie avec votre autre et en amour. Je coupe, regardez ce que j'ai. J'ai le 10 de pentacle. Bon, écoutez, que demander de plus? En fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vers une proposition. On va vous proposer un 10 de pentacle, hein, et j'ai le 10 de coupe. Donc, ce qu'on me dit, c'est qu'on va vers vraiment la manifestation d'un souhait. Alors, que ce soit avec votre autre, hein, que vous ayez une personne dans le cœur ou pas, ok? Si vous n'avez personne dans votre vie, vous allez vers ce 10 de coupe. Vous allez vers ce 10 de pentacle. Vous allez vers cette construction de vie, cette stabilité, cette famille, cette relation que vous souhaitez. D'accord? Cet arc-en-ciel, vous le voyez? On vous dit vraiment que c'est pour vous, hein, c'est là pour vous, c'est juste à portée de main en fait. Et on vous le montre, on vous montre comment y arriver. J'ai des personnes qui ont tranché dans une situation, qui laissent une situation lourde, une situation difficile derrière elles, qui ont fait un choix en fait. Et le choix de se choisir, le choix d'aller vers ce bonheur, d'aller vers la manifestation de ce souhait en fait. Hein.
Vous quittez ces énergies qui sont lourdes, qui sont difficiles, qui vous ont fait souffrir. Vous quittez une situation pour certaines personnes également. Ok. On a une personne, peut-être, voilà, j'ai le démarrage, peut-être d'une relation, une nouvelle relation, un renouveau dans une relation. Une personne, votre autre, que ce soit un homme ou une femme, hein, qui a des énergies jeunes, des énergies même presque adolescentes. Vous voyez ce genre d'énergie de... Cette personne a envie de vous faire une proposition. C'est peut-être parfois un peu maladroit aussi, d'accord? Mais c'est là, c'est à votre portée en fait. Cette personne vous offre son cœur. Même si c'est maladroit, c'est là pour vous. Et c'est très 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 joli. C'est très pur aussi. Parfois un peu immature, hein, il faut le dire. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous assure, c'est que vous allez recevoir une proposition de votre autre, une proposition pour évoluer. Évoluer dans votre relation. Vous allez quitter ces énergies vraiment lourdes, ces énergies difficiles. Et pour cela, vous avez la source, vous avez l'aide du divin, en fait. Vous voyez comme vous êtes reliés. J'ai des personnes clairvoyantes. J'ai des personnes qui sont aidées. J'ai des personnes qui sont nées sous une bonne étoile. Non, ma puce, viens bébé, viens là. Viens là, mon cœur. Tu peux pas sauter avec les bougies. J'ai vraiment des personnes qui sont guidées, en fait. Qui sont guidées par la source, guidées par leur bonne étoile, guidées par des ancêtres, guidées par l'univers, en fait. À aller vers ce renouveau et ce renouveau amoureux. À aller vers cette joie. À faire le choix, en fait, de ce bonheur. C'est très positif, mes amours. Très, 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 très positif. En fait, ce qu'on va vous proposer, c'est une construction de vie. Hein. Une construction de vie. Qu'est-ce qui vient à vous pour mes amants, s'il vous plaît, pour mes amours? Qu'est-ce qui vient à vous avec votre autre? J'ai ma consultante et on nous parle de renouveau, de nouveau départ, de renaissance, de vitalité, de printemps. Il y a un renouveau, soit dans une relation, soit un nouveau départ, d'accord? En amour, et c'est très, très, très positif. On a des personnes qui vont vraiment s'élever à un niveau supérieur, même d'un point de vue spirituel. Oh, regardez, vous êtes protégés par le divin. Vous avez un ange gardien autour de vous. Très, très, très joli. Je coupe et j'ai le choix. Prendre une décision avec son âme. Vous allez faire un choix, ou vous avez fait un choix. Vous allez faire le choix d'aller vers ce bonheur. Vous allez faire le choix d'aller vers cette proposition. Positive, bénéfique pour vous, mes amours. Vraiment, d'aller vers ce bonheur même familial. Votre autre, ces énergies, les énergies de la personne de votre cœur. Ok, c'est une personne qui va venir vers vous rapidement. Il va y avoir quelque chose, cette proposition va arriver rapidement. Pour vous, vis-à-vis de votre autre, vis-à-vis de la relation. On a peut-être des personnes qui se sont senties trahies ou qui avaient des énergies de trahison, d'angoisse, de peur. C'est pour ça que vous avez du mal à prendre des risques. Mais on vous dit qu'il y a la solution. Hein. Vous avez la clé, en fait, à ces problématiques. Vous avez le nouveau départ, en fait. Hein. Il faut juste oser se lancer. Il faut juste oser y aller, en fait. Sur le lien, s'il vous plaît. Sur le lien. Vous allez quitter ces énergies négatives, mes amours. Et j'ai le printemps. Bon, bah voilà, on a le nouveau départ à nouveau. Je l'avais. Vous voyez, bon, les énergies du printemps sont importantes également. Taureau du bélier, du taureau. Taureau. Signe du bélier, du taureau, du gémeaux. Également. Vous allez vers ce nouveau départ avec votre autre ou en amour. On vous l'assure, c'est très, 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 très positif. Et on nous parle à nouveau de changement soudain. Ça va arriver vite, se libérer l'esprit. Vous allez vraiment être comme victorieux, victorieuse d'une situation difficile, de ce sentiment de trahison, de rejet, d'abandon, d'injustice, pour aller vers un renouveau très très positif en amour, avec votre autre, avec une nouvelle personne. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire pour mes amours, s'il vous plaît? Qu'est-ce que votre autre, la personne de votre cœur, aimerait vous dire? Être en harmonie.
je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Magnifique. Votre autre est aidé également par la source, par le divin. Et pour mes amours, un message de fin sur ce joli tirage. Nouvelle lune. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Qu'est-ce que je vous disais, on avait des énergies de printemps, des énergies de renouveau, des énergies de nouveau départ. On vous invite vraiment à laisser le passé au passé. Si vous ressentez que vous avez besoin de faire une introspection sur la situation, sur votre situation, sur ce qu'il s'est passé par le passé, ce que vous avez pu mal vivre, ce qui était lourd, on vous invite vraiment à vous ressourcer, à prendre le temps et à y aller avec bienveillance envers vous-même et en amour avec vous-même pour aller vers ce renouveau et l'accueillir de la meilleure manière qu'il soit. C'est très, très, très positif. C'est très joli, hein, cette guidance ce soir, mes amours. J'espère vraiment qu'elle aura résonné en vous. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. N'hésitez pas à me dire en commentaire eh bien, comment ça vous a parlé. Je vous lis et je vous lis avec grand bonheur. Je vous remercie pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements. Merci, merci, merci du fond du cœur. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, mes amours.